Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler d'une nouvelle fleur du Dr Bach. Beech, lettre, arbre très vertical qui peut monter jusqu'à 45 mètres de haut et vivre pendant 300 à 500 ans ou plus. Il aime les climats tempérés et pluvieux, se plaît à l'ombre et se développe souvent sous les chênes qu'il remplace petit à petit. Sa floraison d'avril à mai, ses fleurs mâles en chaton pendant, ses fleurs femelles dressées, ses fruits, le fen, réunis par deux dans une enveloppe hérissée. Dans la tradition celtique, l'être représentait la persévérance et l'austérité du sage. On l'associait à la déesse de la sagesse. Par correspondance avec le mot anglais beech, qui signifie être, est devenu le book, qui veut dire livre. Effectivement, l'écorce du être ayant servi autrefois de papier, tout comme celle du bouleau ou du tilleul. Il nous relie aux écrits, aux vieux parchemins, aux anciennes connaissances retranscrites. Mais revenons à notre jolie fleur. Cette fleur conviendra pour les personnes qui ont du mal à être tolérants sur les différences des autres, parce qu'ils ont une facilité à découvrir les points faibles et critiques sur les défauts des autres. Ils sont comme ça, car leur idéal à eux, c'est que rien ne cloche nulle part. Ces personnes sont très difficiles à vivre, parce qu'elles renvoient les autres, et souvent avec une certaine justesse, à leurs petits défauts et à leurs petites manies. Très centrés sur les autres, ils ont rarement conscience de leurs propres défauts et leur orgueil les empêche d'accepter la critique. Grâce à Beech et à leur capacité à souligner ce qui va ou ce qui ne va pas chez les personnes, cette fleur va leur permettre d'être davantage tolérants, indulgents, compréhensifs face aux différences. Comme ils ont ce pouvoir de regarder les choses différemment, ils seront des très bons enseignants parce qu'ils vont réussir à regarder les différences non plus comme des imperfections, mais comme des richesses qui mènent vers plus de perfection. Tendresse et compréhension pour les faiblesses d'autrui seront leurs maîtres mots. Ils accepteront les autres tels qu'ils sont. Voilà pour cette nouvelle fleur Beech. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.